L'opération coup de poing devra agir sur cette urgence dont la première est la vaccination. Le gouvernement, par la voix du Premier ministre, après avoir rencontré la veille les autorités religieuses, donnait le coup d'envoi de l'opération coup de poing COVID-19. En matière de vaccination, le pays est encore loin du compte parce qu'il n'a vacciné officiellement que moins de 10% de sa population. Thomas Mungweme, président du club 2002 de l'arrondissement 6 Ngoyo, soutient les efforts du gouvernement. L'État a mis les moyens pour sauver la vie des Congolais. Ils ont mis les moyens pour acheter les vaccins. Donc cette opération coup de poing, en fait, va aider les Congolais. Pour le club 2002, nous contribuons notre effort pour vulgariser cette information dans toute la République pour que les gens aillent se faire vacciner. Les militants du club 2002 sont tous avertis pour le vaccin. Ils doivent se faire vacciner dans un bref délai. Autre axe de l'opération coup de poing, c'est le renforcement et le contrôle du respect des mesures barrières. Cependant, le manque de rigueur observé pourra constituer une véritable faiblesse. L'opération coup de poing, j'appuie le gouvernement parce que c'est très intéressant. Ce n'est que par là que nous pouvons vaincre cette maladie. Moi, j'ai sillonné la ville de Pointe-Noire pour voir si réellement les gens observent les mesures édictées par le gouvernement. Mais j'ai constaté qu'il y a un environnement dans un camp militaire en plus. Alors que c'est les militaires qui devraient être les premières personnes à nous discipliner, nous les civils, s'il faut dire. Il y a vers la base, Baroudeur, c'est un grand responsable militaire. En quelque sorte, est le propriétaire. C'est un foyer de l'armée, à ma connaissance. Ou à l'enceinte même du camp militaire, on ne respecte pas les mesures barrières là-bas. Là-bas, il n'y a pas de couvre-feu chez eux là-bas. On n'observe pas. En fait, il y a une partie de Pointe-Noire qui est au-dessus de la loi congolaise. À ce jour, le Congo a enregistré près de 16 868 cas confirmés du COVID-19, dont 249 décès depuis le début de l'épidémie.